Oui, bonjour et bienvenue à la communauté d'Acacia Cyber. C'est que dans cette nouvelle vidéo sur la cybersécurité défensive par analyse et proxy des zones internes. Bon, déjà, je tiens particulièrement à présenter toutes mes excuses pour la longue période d'absence parce que j'étais pas mal occupé et je pense que maintenant nous allons reprendre le service et nous vous promettons, n'est-ce pas, des formations et des vidéos de très haut niveau et justement de qualité aussi pratique très avancée. Bon, durant cette vidéo, nous allons aborder une thématique très importante aujourd'hui qui n'est pas très prise en considération par beaucoup de systèmes d'information, à savoir comment c'est bien beau de savoir déployer la DMZ et tout ce qui va avec, comme la vidéo que nous avons réalisée, comme les dernières vidéos que nous avons réalisées. Mais il faut comprendre aujourd'hui il faut approfondir le niveau de sécurité des zones. Donc, c'est l'objectif donc de cette vidéo. Bon, déjà, nous allons définir un peu le scénario de la cybersécurité défensive. En fait, simplement, ça, c'est juste quelques lignes directrices qui permettent justement de pouvoir bien déployer une approche de sécurité. Savoir par exemple que la qualité du matériel doit être importante. Déjà, le matériel, plus vous avez un matériel de bonne qualité, plus vous aurez la probabilité, n'est-ce pas, d'avoir de très bonnes réponses. Bon, l'expression des besoins, c'est-à-dire qu'on doit ressortir tous les besoins en commençant par le conseil d'administration, en commençant par, en continuant vers la couche de direction et autres. Donc, il faut qu'on puisse ressentir tous les besoins nécessaires, vraiment, même si ces besoins semblent être folles. Parce que c'est dans cette logique-là que nous allons réaliser un niveau de sécurité meilleur. Et aussi définir le degré de confidentialité et d'intégrité. Et c'est justement là, je veux dire, le pilier. Quel est le niveau de confidentialité et d'intégrité, justement, de nos données dans notre système d'information? Et c'est justement à ce niveau-ci que nous allons nous présenter. Donc, du coup, il y a aussi ce qui contient la gestion des risques, c'est-à-dire que quels sont les risques encourus dans le cadre de notre politique de confidentialité et d'intégrité, et ce qui nous permet donc alors de définir une politique de sécurité solide et dans le système de contrôle, afin que nous puissions, n'est-ce pas, contrôler le niveau de sécurité et que nous soyons nous-mêmes le patron total de la sécurité de notre système d'information. Bon, déjà ici, nous pouvons remarquer que nous avons plusieurs architectures généralement. Nous avons l'architecture la plus utilisée qui est souvent l'architecture basique où vous avez un réseau local, vous avez un point d'accès avec un pare-feu déjà logiciel intégré et vous êtes directement connecté à Internet. Donc voilà le protocole justement que nous utilisons généralement lorsque lorsqu'on arrive dans les systèmes d'information. C'est-à-dire on a nos informations et généralement nos informations sont souvent confondues de telle manière que on ne classe pas par priorité, n'est-ce pas, par priorité les informations que nous avons. Donc c'est cette méthode-ci qui est utilisée. Elle est la méthode la plus répandue, la plus facile à mettre sur pied, mais aussi cette méthode-ci aussi nous expose à beaucoup de dangers. Et cette méthode est vraiment conseillée lorsque vous n'avez pas de, je vais dire quoi, lorsque vous n'avez pas de service à proposer à l'extérieur, mais également aussi elle peut aussi être utile lorsque vous n'avez pas suffisamment de moyens et que vous voulez déployer une solution assez simple. Donc, maintenant, ici nous avons une architecture qui est beaucoup plus améliorée, qu'on appelle vulgairement l'architecture DMZ, où vous avez ici, nous avons ici nous avons les différentes zones. Nous avons ici la zone A, la zone B, la zone C et le WAN. Déjà, la zone C peut être la DMZ, comme la s'appelle la zone B, comme s'appelle la zone A. Donc, ça dépend justement. Et nous savons déjà que la DMZ, c'est une zone qui est retirée de la zone locale afin de permettre que le réseau, par exemple, les utilisateurs d'Internet puissent y accéder à cette zone, y compris les utilisateurs
du LAN. Donc c'est l'architecture ici que nous allons déployer. Et déjà, pour juste rappeler, donc nous vous invitons à suivre la vidéo, bon, du moins les vidéos que nous avons réalisées avant celle-ci. Parce que là, nous avons démontré comment déployer une DMZ. Donc nous aurons ici, nous allons voir justement comment protéger une zone face aux cyberattaques comment protéger une zone, à savoir que comment détecter les activités malveillantes grâce à un système de détection d'intrusion et de prévention. Donc c'est sur cette base d'architecture que nous allons donc déployer notre travail. Donc voilà, donc ici pour pouvoir y arriver, nous allons utiliser Snode. Snode qui est un puissant système de détection d'intrusion open source et libre. Donc comme on peut voir ici, IDS, c'est un IDS, c'est-à-dire Intrusion Detection System, qui assure l'analyse des activités douteuses et anormales, et ce qui permet donc alors de nous alerter donc à travers donc des règles qui sont implémentées. C'est aussi un système de détection de prévention d'intrusion réseau, c'est-à-dire que Network IDS. Et c'est aussi, nous retrouvons aussi Snode dans les systèmes de détection de prévention d'intrusion dans des systèmes. Donc il n'est pas uniquement que utilisé dans le réseau, même dans les systèmes, et il est très utilisé aussi dans les environnements Linux, distribution Linux. Et nous pouvons aussi voir qu'il est open source, c'est-à-dire que vous pouvez analyser le code source, vous pouvez voir s'il n'y a pas de backdoor intégré au niveau du code. Donc il y a l'un des avantages que Snode a, c'est qu'il est très compatible avec les distributions Linux pour l'analyse des systèmes. Donc comme je l'ai dit précédemment, vous pouvez l'installer sur Linux, le configurer. Généralement la configuration se passe en niveau de commande, donc c'est pas généralement l'interface graphique comme nous allons voir tout à l'heure. Bon, dans le cas des distributions Linux, la configuration se passe en niveau de commande. Donc il est capable d'analyser le graphique en temps réel et de journaliser justement les paquets. Ça c'est très important. Donc c'est l'un des avantages forts justement que Snode a. Et il possède aussi une très forte communauté active. Donc il y a une très grande communauté, n'est-ce pas, qui travaille derrière le projet. Donc Snode, donc c'est une solution super puissante par rapport à plusieurs solutions propriétaires. Donc vraiment ici, nous n'avons pas grand chose à envier aux solutions propriétaires qui peuvent parfois coûter très cher. Or Snode, n'est-ce pas, propose également des services même bien au-delà que certaines solutions propriétaires n'arrivent à réaliser. Donc il est puissant dans des environnements, il est très intéressant lorsque vous voulez déployer justement, vous voulez contrôler si les activités anormales, douteuses au niveau des zones sensibles, afin de voir s'il y a eu des potentielles intrusions. Donc, il est très intéressant ici. Et il peut aussi fonctionner aussi comme un IPS, c'est-à-dire un système de prévention d'intrusion, comme nous allons le voir tout à l'heure. Bon, déjà ici, c'est juste une petite différence qui existe entre un système de détection d'intrusion et un système de prévention d'intrusion. En fait, un système de détection d'intrusion ici, il alerte justement lorsqu'il détecte des menaces. Mais en plus, il ne peut pas, n'est-ce pas, bloquer ou casser la menace est effective. Donc par contre, le système de prévention d'intrusion, lui, il peut bloquer carrément la menace, par exemple en blanchissant les adresses IP qui essayent d'infiltrer le système. Donc c'est un peu en gros la différence. Mais Snode, lui, il permet d'implémenter à peu près les deux. Donc nous allons voir tout à l'heure. Bon, déjà pour réaliser cette vidéo, vous aurez besoin probablement d'une machine de 8 Go de RAM. Ça nécessite quand même un peu parce que vous devez avoir un disque dur disponible de 100 Go parce que vous devez installer une machine virtuelle et aussi être doté d'un hyperviseur VMware ou VirtualBox. Nous allons utiliser ici au cas GNS3, nous allons utiliser son serveur GNS3 VM. Nous allons utiliser le système Windows de notre choix et aussi les systèmes Linux. Donc
Voilà à peu près l'environnement dont nous aurons besoin pour pouvoir réaliser cette vidéo. Donc, nous allons sans plus tarder passer justement à la phase implémentation de ce projet au niveau de notre architecture que nous avons déployée sous GeneXtro. Donc, lorsque nous revenons auprès de notre architecture ici, nous pouvons identifier, je vais dire, l'implémentation d'une architecture que nous avons pensé déployer, à savoir nous avons 3 zones. Nous avons la zone du LAN, la zone de la DMZ, la zone la zone du WAN, c'est-à-dire que la zone d'Internet. Bien sûr, pour pouvoir réaliser ça vraiment, nous vous invitons à suivre les précédentes vidéos que nous avons réalisées à ce sujet et dont vous pouvez et dont regarder par exemple nos vidéos ici, comme vous pouvez voir les vidéos que nous avons réalisées, afin de pouvoir voir comment déployer justement l'architecture de la DMZ. Donc c'est très important de savoir faire ça afin que vous puissiez être en phase avec cette vidéo parce qu'elle est un peu la suite, n'est-ce pas, de la vidéo précédente. Donc, ce que nous allons simplement faire d'abord, c'est de démarrer notre pare-feu. Et aussi, nous allons par exemple démarrer le serveur. Et cette machine-ci. Bon, bien entendu, nous pourrions démarrer tous les systèmes. Mais ici, pouvons aussi démarrer celui-ci. En fait, le scénario sera lequel? Pour qu'on puisse bien comprendre, le scénario est le suivant. On va supposer que cette zone-ci est une zone à risque. Et généralement, ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va configurer dans ce note ici, notre système de détection, d'intrusion, de prévention aussi ici, afin que toutes les actions qui seront menées ici, qui vont passer pour pouvoir atteindre ce système, soient identifiées, détectées au niveau de notre système de détection d'intrusion et de les bloquer aussi. Au cas où, si c'est une activité qui est dangereuse, de le bloquer. Bon, je tiens à rappeler aussi que nous devons comprendre quelque chose de très important ici. C'est quoi? C'est que le système de détection d'intrusion ne vous protège pas du réseau interne. Ça vous protège justement lorsqu'un individu veut traverser le réseau interne pour pouvoir attaquer un autre sous-réseau. Donc justement, ça permet de bloquer, n'est-ce pas, ça permet de bloquer les attaques et aussi de détecter les signatures des nouvelles attaques. Pourquoi? Parce que Snort aujourd'hui fait des mises à jour et il a une très puissante base de données qui permet justement de pouvoir détecter les signatures des attaques actuelles afin de vous protéger justement, de protéger votre système d'information contre toute forme d'attaque. Donc nous allons rapidement donc nous connecter et passer justement à l'interface graphique de notre pare-feu. Donc comme nous pouvons donc le voir, nous allons donc démarrer Metasploitable 2 ici et un système et un serveur. Donc si nous pouvons vous montrer là que ici nous pouvons voir notre système qui est au niveau de la zone LAN, ici le système qui est au niveau de la zone WAN et ici système qui est sur le serveur qui se trouve au niveau de la zone LAN. Bon, bien sûr, nous allons rapidement d'abord tester si notre système est connecté à Internet. Là, nous allons essayer de pinger par exemple Google afin de vérifier que notre système fonctionne bien. Comme prévu, nous pouvons voir que Google répond à notre requête ping. Donc, ce que nous allons rapidement voir ici, et là nous pouvons accéder donc, à Google au niveau du LAN. Donc, ici, ce que nous allons donc faire, c'est de pouvoir nous connecter directement à notre portail captif, à notre interface, je vais dire, de notre pare-feu. Ici, nous allons taper le nom utilisateur suivi du mot de passe.
Donc, une fois que nous sommes donc connectés, nous allons directement nous rediriger vers système et package. C'est-à-dire que nous allons installer le package Note. Donc, par défaut, il n'est pas installé. Donc, il n'est pas installé parce que si nous venons ici, lorsque nous installons un paquet, il vient automatiquement s'ajouter au service. Donc, il n'est pas encore installé. Donc, ce que nous allons faire, c'est de pouvoir venir ici et nous allons installer dans notre paquet. Ici, nous pouvons voir que là, ça nous dit que les paquets, ici, ça nous montre des paquets qui sont installés. Et là, on voit les paquets ne sont pas encore installés. Donc, nous allons venir ici. Donc là, nous pouvons voir les différents paquets que nous pouvons installer. Donc nous allons filtrer, taper le paquet Note. Ah, et nous tapons dans la recherche. Là, nous pouvons voir que on nous propose Note. Donc nous tapons sur Install. Et quand sur Install. Ensuite, nous cliquons sur confirmer. Et là, l'installation donc va être lancée. Ça va prendre juste quelques secondes. Et ça va donc nous allons patienter que l'installation finisse de se passer. Donc, juste pour vous représenter l'architecture ici, donc nous avons notre système ici Paro, notre serveur ici, aussi notre serveur externe à la zone LAN, et nous avons donc l'interface de notre pare-feu. Et là, nous allons revenir au niveau de notre installation. Là, on peut voir qu'il est en train de télécharger. Et là, l'installation se passe avec est en train de se passer avec succès. Là, il installe les paquets. Un paquet sur ces 5 paquets. Il installe le dernier paquet. Donc ici nous pouvons donc voir que l'installation s'est fait avec succès. Ce que nous allons donc faire, c'est donc aller configurer Snot au niveau de service. Donc là nous venons dans service Snot. Bon, ici, nous avons eu à faire une première configuration. Donc, ça a été les revenus. Ce que nous allons simplement faire, c'est de pouvoir supprimer justement cette interface-ci et recommencer tout depuis le début. Ok, comme je l'ai dit, Snot c'est un outil très puissant qui nous permet justement de pouvoir mettre sur pied, qui nous permet de pouvoir détecter des activités malveillantes au sein d'une infrastructure qui sensible. Mais ici nous pouvons voir plusieurs onglets. D'abord, dans un premier temps, nous allons venir dans Global System. Nous allons configurer, nous allons faire les premières configurations. Bon, une fois que nous sommes dans Global System ici, bon, déjà nous pouvons voir que par défaut, Click to Enable Download n'est pas activé. Donc nous allons activer. Et ici, vous allez remarquer que nous avons ajouté une clé, une API. Là, je veux dire l'API justement de Snot. Donc pour obtenir l'API au niveau de Snot, donc ce que vous allez simplement faire, c'est
d'aller au niveau de son site officiel. Et là, vous allez remarquer ici, par exemple, que vous allez créer d'abord un compte. Donc, moi, j'ai déjà créé un compte. Une fois que vous avez créé votre compte, vous allez vous connecter. Et là, vous allez récupérer la clé de votre API. Et là, vous venez ici dans. Et là, vous pouvez voir que vous allez récupérer dans la clé. C'est la clé, c'est que vous venez donc alors ajouter ici à ce niveau. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, maintenant, si on revient au niveau toujours de notre configuration, ici nous allons voir Enables Not GPLV. Donc, ça, il faut activer. Ça permet justement de faire les derniers téléchargements des règles. Au niveau de ce note, donc c'est très important de pouvoir activer cette option-ci. Et s'il y a donc des nouvelles règles qui ont été ajoutées, qui ont été mises à jour, donc vous les aurez directement. Donc ici, au niveau justement des menaces, c'est-à-dire que enable to et open, c'est-à-dire c'est pour cliquer pour télécharger justement les nouvelles menaces au niveau des nouvelles menaces qui ont été détectées et dont les signatures ont été enregistrées par au niveau de ce note. Donc ici, cette option, c'est très importante. Bon, ici, c'est justement la version professionnelle. Ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Bon, ici, à ce niveau, bon, on n'a pas grand-chose à cliquer là-dedans. Donc, ici, nous activons justement aussi l'option botnet, justement, parce que vous savez aujourd'hui que il y a des attaques botnet où votre système devient je veux dire un client pour pouvoir attaquer un serveur, c'est-à-dire que et ces attaques-là sont souvent très utilisées pour pouvoir réaliser des attaques par déni de service ou pour pouvoir faire tomber un serveur ou n'est-ce pas, on utilise des vulnérabilités dans plusieurs systèmes. Donc ici, cette option permet justement de pouvoir détecter ce genre de menaces. Bon, ici, nous allons donc définir, par défaut, c'est enable. C'est never. Donc ici, nous allons donc définir la période alors donc je vais dire de mise à jour. Ici, par exemple, nous pouvons mettre que, ok, après un jour, tu vas donc être mise à jour à minuit. Donc après un jour, minuit, lance automatiquement les mises à jour. Ici, justement, ici, nous pouvons voir Click the right, n'est-ce pas, qui nous permet justement de pouvoir désactiver toutes les, je veux dire, les rôles obsolètes, ici les catégories de rôles obsolètes, donc dont on n'a pas besoin, et je pense que c'est une option aussi qu'il faut cocher. Bon, ici, aussi bloquer les systèmes à distance. Donc, c'est ici donc qu'il se comporte alors comme un IBS, c'est-à-dire que système de prévention d'inclusion. Donc, bloquer, on peut décider de bloquer par exemple l'adresse IP du système du serveur qui a essayé de pouvoir par exemple compromettre la zone. On peut le bloquer pendant 1 heure, pendant 28 jours, pendant 15 minutes. Et donc ici par défaut nous avons choisi 1 heure. Bon, bien entendu, ici nous pouvons aussi bloquer lors de l'installation, hein, lors de la désinstallation, c'est-à-dire que bloquer et les supprimer au même moment. Donc, et là, une fois ceci dit, nous pouvons donc enregistrer nos paramètres. Bon, une fois enregistré, ce que nous allons donc venir faire, c'est de pouvoir faire donc une mise à jour de toutes les configurations que nous venons donc de faire. Donc ici, nous pouvons voir les options que nous avons activées. Et là, nous allons simplement juste faire une mise à jour. Par défaut, ici, nous avons fait la mise à jour, mais nous pouvons aussi relancer. Nous pouvons relancer automatiquement la mise à jour et patienter quelques instants avant que la mise à jour soit effective. Bon, une fois que la mise à jour a été faite, nous pouvons essayer même de visualiser ça ici, hein, au niveau des logs des mises à jour. Donc, on peut voir là, au niveau mise à jour, on peut voir tous les éléments qui ont été définis et n'est-ce pas? Bon, maintenant, nous pouvons ici remarquer que nous avons ici un message d'erreur warning qui nous définit que justement l'interface n'est pas définie. Donc ici, c'est
Lorsque j'ai démarré tout à l'heure, j'avais à créer une interface. Donc, comme je l'ai supprimé, donc du coup, il rappelle donc que l'interface n'est pas définie. Donc, c'est ça que nous allons rapidement donc faire. Pour ce faire, donc, nous allons revenir au niveau de notre interface. Au niveau de notre interface, nous allons créer une nouvelle interface. Donc, déjà la première chose, c'est que nous devons activer l'interface. OK, nous devons activer l'interface ici. Bon, c'est fait. Bon, quelle est l'interface qui sera concernée au niveau de l'analyse? Ici, nous allons sélectionner l'interface. Nous allons sélectionner l'interface LAN. On va sélectionner l'interface LAN. Et ici, nous allons donner en description le LAN. Voilà. Ensuite, nous sélectionnons donc le port par défaut de notre qui est 15-18. Ensuite, ici, nous devons activer vraiment la signalisation des alertes au niveau des logs. Et nous devons comprendre que cette option-ci est très importante. Sinon, nous n'aurons pas de notifications sur des alertes et aussi au niveau, par exemple, des menaces qui ont été détectées. Donc, c'est très important de le faire. Ici, donc, une fois cliqué, nous laissons quel est le format par lequel il va enregistrer. Par défaut, nous avons log identification. Donc, ici, nous avons plusieurs formats. Donc, ici, on va laisser les paramètres, simplement les paramètres par défaut. Ici, nous allons activer la vérification au niveau des captures, c'est-à-dire des paquets de captures. Et nous pourrions, n'est-ce pas, analyser justement ces paquets-là à partir, par exemple, de TCP dump ou bien de Wireshark. C'est des outils très puissants au niveau de l'analyse. Bon, pour pouvoir, n'est-ce pas, pousser justement l'analyse afin de pouvoir détecter plus précisément les actions qui se sont passées au niveau du réseau, donc nous allons l'activer. Ici, il nous demande de vérifier les options de Snort et interface binaire. Bon, là, bon, ici, nous là, je regarde. Bon, ici, bon, c'est pas obligé, hein. Bon, on va laisser comme ça. Vérifier automatiquement la génération. Bloquer justement ici aussi, c'est très intéressant parce que là nous pouvons voir que ici il va bloquer automatiquement, c'est-à-dire que ici lorsqu'on va l'activer, il va bloquer automatiquement les adresses IP qui vont être essayées par exemple frauduleusement d'accéder au réseau. Donc là nous pouvons laisser les paramètres par défaut. Ici, nous laissons les paramètres par défaut, nous activons Kill State qui permet aussi de pouvoir bloquer les adresses IP comme nous l'avons vu ici. Bon, ici à ce niveau, nous pouvons laisser pour le moment, nous pouvons laisser, mais dans le cas justement des formations spécialisées, n'est-ce pas, au niveau de ces spécialités-là, nous allons aller vraiment très en profondeur afin de vous montrer que justement la puissance que ce PAF de nouvelle génération a et qui n'a rien à envier des autres. Donc ici, là, nous l'avons donc en nous, sans l'enregistrement. Donc ici, nous venons donc là, nous pouvons voir que nous venons au niveau des rôles. Des rôles là. Lorsque nous sommes au niveau des rôles ici, nous pouvons voir quelles sont les actions qui seront menées tout au long justement de. Bon, ici au niveau des rôles, vous pouvez choisir le type type justement des filtres des vous pouvez filtrer les rôles. Bon, filtrer ici les rôles là à défaut et je là, ici, nous venons dans LAN catégorie. Dans LAN catégorie, on clique justement sur l'automatisation, sur justement
Nous cliquons sur cette option-ci qui va nous permettre aussi de pouvoir détecter, je vais dire, de filtrer mieux les activités au niveau de notre système de détection d'intrusion. Là, nous pouvons ici nous pouvons filtrer en 10, je veux dire, quels sont les éléments que nous voulons. Si nous voulons par exemple filtrer le FTP role, les exploits et tout ce qui va avec. Donc ici, ce que nous allons simplement faire, c'est que nous allons tout activer. Donc tout sélectionner là. Une fois que nous avons tout sélectionné ici, nous pouvons, n'est-ce pas, décider de choisir uniquement la première interface. Donc, pour un début, nous allons désactiver d'abord. Désactiver ici. Et ici, nous allons d'abord ici, nous pouvons voir que nous avons tellement de règles ici pour voir au niveau des activités de MySQL et compagnie. Donc ce que je vais simplement faire d'abord, c'est de voir je ne vais pas sélectionner tout, je vais uniquement sélectionner cette première rangée ici, cette première colonne. Je veux directement enregistrer. Donc on peut voir directement toutes les règles qui sont définies au niveau de notre système de détection d'intrusion. Voilà, une fois que les enregistrements ont été réalisé avec succès, nous allons simplement donc valider ce regard ici à ce niveau. Donc une fois que ça a été enregistré, ce que nous pouvons justement vérifier, c'est que nous pouvons vérifier au niveau de, lorsque nous voulons vérifier quelles sont les adresses IP qui ont été bloquées au niveau des alertes, et donc nous pourrons automatiquement donc vérifier tout ça ici. Donc ce que nous allons simplement faire, c'est de pouvoir justement démarrer. Donc ici nous pouvons voir que l'interface n'est pas démarrée. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons directement démarrer, donc n'est-ce pas, le système qui va nous permettre justement de détecter les attaques et les activités malveillantes. C'est-à-dire que nous allons démarrer notre système de détection d'intrusion et de prévention. Donc là, nous pouvons voir que ça a donc démarré. Donc ce que nous allons donc faire, c'est de pouvoir donc essayer de tester en simulant donc alors une attaque, donc de voir comment notre système de détection d'intrusion a réussi à détecter les attaques. Donc ce que nous allons donc faire simplement, c'est que nous allons d'abord dans un premier temps essayer de des paroles security pour pouvoir attaquer. Dans un premier temps, il va attaquer justement ce serveur ici qui est dans la zone 1 et voir ce qui se passe lorsque les paquets traversent au niveau de notre IDS. Bon, nous attendons. Voilà, donc ce que nous allons donc faire ici, c'est de pouvoir vérifier d'abord l'adresse IP qui se trouve au niveau de zone, c'est-à-dire Metasploitable.
Nous allons voir que... Ah, nous allons rapidement... Donc, comme je le disais, donc, nous avons donc démarré donc, cette machine et nous allons donc essayer donc, de l'attaquer. Ça s'appelle, ça s'appelle n'importe quelle. C'est à vous de choisir. Donc, ce qui signifie que je vais ici essayer, c'est pas, l'agresse, de faire un afficher l'adresse IP. Qui tourne sur 185.122.205. Donc, nous allons en venir ici, nous allons donc taper un ping 192.168.1.1. Nous pouvons lancer, on voit que le ping passe. Donc, ce que nous allons faire, c'est de pouvoir lancer une requête nmap pour afficher les paramètres du système d'exploitation et des services qui tournent derrière. Là, tirer V pour le. Je tiens à rappeler que la commande nmap s'exécute en mode route, bien entendu. Si on peut voir les ports qui sont. Nous patientons que le scan finisse. Donc, pendant que le scan continue au niveau de cette machine client One qui tourne sur 180.168.5 et la passerelle suivante. Et ici, nous pouvons par exemple déjà constater, bon, par exemple déjà ici constater que nous avons découvert plusieurs ports ouverts. Centaines de ports ouverts et le scan continue. Bon, si nous venons au niveau de notre système, au niveau de notre IDS, au niveau des alertes ici, bon, nous allons par exemple observer et là nous pouvons par exemple voir des alertes qui ont été classées, les ports sources, les ports destination. La presse et destination ici on peut voir presse et qui a lancé le scan ici on peut voir CP également on peut voir justement les services des je veux dire des actions qui ont été bloquées si nous on l'a essayé de on voit que il peut arriver que le scan ne soit n'arrive pas simplement parce qu'il a été détecté comme une activité malsaine et du coup il a bloqué justement le scan au niveau. On peut voir que j'ai lancé effectivement un scan au niveau de NMAP et système d'exploitation qui tourne derrière cette adresse IP. Donc on peut voir ici que c'est un système très puissant qui vous permet justement de détecter. Donc ici aussi nous pouvons constater que l'adresse concernée a été mis a été je dis si bloqué justement pour que si pour que vous voyez que là on a lancé le système de détection l'heure la date l'heure actuelle donc pour pouvoir voir et on peut voir ici l'alerte qui a été lancée c'est-à-dire une alerte qui permet de détecter le système d'exploitation et il a donc utiliser cette adresse, cette bloquée afin que
cet agressif ne puisse pas envoyer des informations relatives à son système. Donc, nous pouvons faire beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Ça, c'est rien que, je vais dire, que ça ne représente même pas, je dirais, ça ne représente même pas 2% ou 3% justement de ce qui... de ce que ça peut faire. Donc imaginez-vous par exemple que nous avons des attaques vraiment de masse telles que les attaques des services, les attaques qui permettent justement de pouvoir voir justement au niveau qui utilise par exemple des payloads, des consoles pour détecter plein de choses. Bon, bref, ici on peut voir. Donc là, vous pouvez même aussi filtrer par catégorie pour la même chose, alerte, bloc. Donc tout ça. Donc ici, donc vous pouvez nous comme nous l'avons donc alors vu dans cette vidéo que Snort est un outil très puissant qui nous permet justement de pouvoir faire plein de choses et qui peut garantir l'intégrité, la sécurité de notre système d'information. Donc nous espérons que cette vidéo vous a été très utile. Et vraiment, nous vous invitons à liker les vidéos, nos vidéos, et à vous abonner à notre...